La mort, c'est vraiment l'interrogation par excellence. Ce que Baudelaire appelait dans une prière à Dieu, cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. La mort est-elle normale ou est-elle anormale? Eh bien, le paradoxe, c'est qu'elle est à la fois normale et anormale. L'homme est créé immortel parce que divinisé. C'est le mystère central de notre divinisation qui explique que l'homme soit immortel. L'immortalité, c'est une participation à l'éternité de Dieu. L'immortalité n'est pas une propriété de l'homme. L'immortalité, c'est le privilège de Dieu seul. Je vous renvoie à la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 16. Dieu est le seul qui possède l'immortalité. En lui seul, il y a plénitude d'être, sans dépendance, sans déclin, sans finitude. Dieu est immortel parce qu'il est infini. Alors, en tant que cette immortalité de Dieu est communiquée à l'homme, cette immortalité caractérise ce qu'on appelle le surnaturel, c'est-à-dire notre vocation à être divinisé. Moi, je ne me chargerais pas, si j'étais actuellement professeur de philosophie, de prouver philosophiquement l'immortalité de l'âme. En dehors de la foi, je crois que je ne m'en chargerais pas. On peut essayer. Je ne dis pas que ce soit impossible, mais je dis que c'est extrêmement problématique. Mais de même que le surnaturel ne détruit pas la nature, mais la transfigure, de même, l'incorruptibilité ne supprime pas la finitude biologique. Elle l'intègre. Il n'y a pas d'immortalité biologique. Il ne peut pas y en avoir. En aucun cas, l'homme n'est dispensé de finir biologiquement. Même dans l'hypothèse d'un monde sans péché, dans l'hypothèse d'un monde où l'innocence originelle aurait été conservée, même dans cette hypothèse-là, l'homme aurait eu une fin. La fin de son animalité naturelle. Je reconnais que le point est un peu difficile ici, mais c'est absolument essentiel. Même dans l'hypothèse d'un monde sans péché, pour passer à la vie éternelle, il faudrait ce que le père Teilhard de Chardin appelle une inversion totale de la conscience. Nous nous imaginons toujours que le corps et l'âme sont deux choses. L'âme serait dans le corps comme une liqueur dans un vase, comme un contenu dans un contenant. Il n'en est rien. Le corps et l'âme sont rigoureusement un. L'âme n'est pas un principe de mouvement qui flotterait en quelque sorte au-dessus d'un mobile qui sans elle serait inerte. Vous savez que saint Thomas a noirci des pages et des pages pour essayer de comprendre ce que pouvait être une âme séparée après la mort. En fait, il n'y est pas parvenu. Tout à l'heure, je vous dirai, il n'y a pas d'âme séparée. L'âme séparée, enfin, je vous dis cela avec un point d'interrogation, je ne vous le dis pas au nom de la foi,
Je n'ai pas le droit, mais la foi n'impose rien en ce domaine. Mais on n'imagine pas une âme vivant séparée du corps, alors que l'âme est tout entière, faite pour le corps, et qu'elle ne peut exister qu'avec lui. L'âme n'est pas une substance qui viendrait s'adjoindre à un corps, comme si cette âme pouvait être seule et que le corps de son côté pouvait être seul. C'est pas possible. Donc, même dans un monde sans péché, il y aurait... Alors, je ne dis pas une mort, parce que là, nous devons faire très attention au vocabulaire, sinon nous risquons de tout brouiller. Dans un monde sans péché, il y aurait une finitude. En aucun cas, l'homme ne peut être dispensé de fini. Mais dans un monde sans péché, il n'y aurait pas la détresse de finir. Lorsque nous parlons de la mort, nous confondons toujours deux choses. Nous confondons la finitude, cette chose biologique qui appartient à la condition naturelle de l'homme, et la mort proprement dite, qui relève d'une vocation divine originellement manquée. Dans un monde sans péché, la nécessité de finir n'aurait pas ce caractère de violence, de spoliation, cette déréliction. Autrement dit, ce ne serait pas un drame. Alors que dans l'état actuel des choses, la nécessité de finir biologiquement est un véritable drame. Dans le monde de péché où nous sommes, nous vivons notre finitude comme une détresse. Dans toute la mesure où nous ne saisissons plus la mort comme le seuil d'une immortalité de bonheur. Alors la mort se réduit pour nous à un arrachement à ce monde, un monde qui est fallacieusement devenu notre tout, ce qui est le péché même. Qu'est-ce que le péché ? C'est que le monde soit notre tout. Cette liaison entre la mort et le péché, qui est marquée avec tellement d'insistance dans l'Évangile, et surtout dans saint Paul, il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Le péché revient toujours à considérer la vie terrestre comme étant notre tout, c'est-à-dire en fait l'oubli de Dieu, l'oubli de la vraie vie. Dans la mesure où nous sommes pécheurs, c'est-à-dire dans la mesure où nous considérons ce monde-ci comme étant notre tout, ben il est bien évident que l'arrachement à ce monde qui est notre tout est un véritable drame, d'où la détresse de mourir, qui n'existerait pas dans un monde sans péché. Le rôle de l'âme, c'est de construire son corps et de l'organiser pour, avec ce corps, tendre vers les biens spirituels pour lesquels elle est faite. Enfin, l'âme n'est tout de même pas faite pour ce qui est plus petit qu'elle. L'âme n'est pas faite pour le corps. L'âme est faite pour le beau, pour le vrai, pour le bien, c'est-à-dire pour Dieu. Mais étant donné que l'âme n'est pas séparée ou séparable du corps, elle a besoin du corps pour tendre au bien spirituel, alors elle organise son corps. Le malheur, c'est qu'elle s'y attache. Elle s'attache à l'instrument comme tel. Récemment, j'imaginais une comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les comparaisons. Elle n'est pas fameuse, mais enfin, c'est peut-être mieux que rien. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de considérer son piano
comme un moyen pour faire jaillir la musique de Mozart, s'attacherait au piano en tant que tel. L'attachement à l'instrument en tant que tel. Alors si l'instrument devient le tout, quand ce tout nous est enlevé, évidemment, c'est la détresse et c'est le drame. Donc, ne confondons pas la mort comme nécessité de finir ce qui est lié à notre nature corporelle et biologique, et la mort comme détresse, je dirais comme panique, et comme drame. L'aspect dramatique et paniquant de la mort est évidemment lié au péché. On parle traditionnellement de la séparation de l'âme et du corps. L'expression n'est pas dans l'écriture. Elle relève d'une certaine philosophie. Je crois qu'il nous faut critiquer cette expression. On se demande toujours comment va pouvoir survivre l'âme alors que le corps va sous terre et rentre dans le jeu. Mais oui, mais le corps qui va sous terre et rentre dans le jeu, ce n'est pas mon véritable corps. Ce qui va sous terre et rentre dans le jeu, c'est un ensemble de cellules biologiques qui était nécessaire à mon corps, bien entendu, mais ce n'est pas mon corps en tant que tel. Mon corps, c'est mon histoire. Mon corps, ce sont toutes mes relations. Mon corps, c'est mon métier. C'est le climat dans lequel j'ai vécu. L'amour que j'ai pour une femme ou pour un époux. Ma culture. Mon histoire, c'est cela qui est mon corps. Et ce corps n'est jamais séparé de l'âme, jamais. Autrement dit, l'âme n'est pas quelque chose qui flotte tout seul. L'âme est toujours marquée par l'histoire qu'elle a vécue. Et qu'elle a vécue par le corps et avec le corps. Pas un instant de ma vie ne se passe sans le corps. Même dans la contemplation, le corps a sa part. Si des mystiques comme Sainte Thérèse ou Sainte Catherine de Sienne ont eu des extases, ou certains phénomènes comme la lévitation, eh bien c'est la faiblesse du corps. C'est le corps qui est trop étroit pour supporter l'invasion d'une présence divine. On a écrit, il n'y a pas tellement longtemps, un livre dont le titre est tout à fait caractéristique. Penser avec les mains. Mais oui, nous pensons avec nos mains, avec nos pieds, avec tout notre corps. Le corps est partout. Je ne peux pas imaginer un instant de mon histoire où le corps n'est sa part. Or, ma vie éternelle, c'est toute mon histoire qui sera présente au terme pour l'éternité. C'est mon histoire qui fera que éternellement nous serons tous différents les uns des autres. Mon histoire n'est pas la vôtre. Devant moi, j'ai des hommes et des femmes mariés. Leur amour est au cœur de leur vie conjugale. Moi, je ne suis pas marié. Donc, mon histoire est tout autre. Dans certaines vies, il y a des échecs. Dans d'autres vies, il y a au contraire une sorte de succès permanent. C'est notre histoire. C'est notre histoire qui, jour après jour, modèle notre visage pour l'éternité. Aucun théologien, je pense, ou peut-être tel ou tel, ici ou là, en tout cas, la quasi-unanimité des théologiens admet à l'heure actuelle, dans la mesure où l'on peut dire quelque chose de ce qui était
essentiellement mystérieux.